Mesdames, Messieurs, la famille et toutes amis, frères, accès, compatriotes, moi salue nous tous. Non, pas merci Dieu. Et c'est avec même plaisir, même engouement, même fougue, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là, à qui nous rencontrons. Et maintenant, vous voyez, salutations pour toutes fans inconditionnelles, toutes fanatiques et qui connectent nous tout partout dans le monde là. Et spécialement, toutes amis qui connectent nous dans tous 10 départements pays d'Haïti. Ou même quand suivent nous en République Dominicaine, toutes amis qui connectent nous aux États-Unis, Canada, la France, ou même en qui Brésil, Mexique, Chili, toutes amis qui suivent nous Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, et bien quel que soit à côté sous la terre bénie, ou te mettez à Zouboutou, et bien nous comptons rentrer la caillou et nous remercions pour support, pour collaboration, nous remercions de ce que vous choisissez nous pour capable informer et de ce que vous faites nous confiance. Toute équipe là ensemble avec nous déjà motivés et mobilisés. Et bien nous pourrons partager avec toute information qui a dominé l'actualité. Et puisque nous pourrons connecter nous ensemble avec Salle Nouvelle Méga Matin, Méga qui c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui est sous la terre bénie, nous pourrons présenter Méga Matin. Radio Méga, Radio 1, l'IFES 5. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, dans le Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, invitez vous à écouter Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Jeudi, c'est jeudi 11 août 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde, avec même plaisir, même fougue, même détermination. On est capable d'apporter nos quatrième sortie journal Méga Matin sur antenne Radio Méga, qui c'est plus gros réseau radio haïtien dans le monde. Bonjour avec Marcel Joseph qui a viré pour nous en Haïti. Toujours dit, on a trié collaborateur dans Miami. Bonjour Jean-Willer Sévère. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir à tout le monde. Rapidement, quête dans la principale information que nous développons dans le journal là pour matin, jeudi ici là. Sortie premier pour arriver de 31 juillet. Le pays d'Haïti a enregistré 138 secousses tremblement de terre. D'après un rapport organisation Alliance pour gestion risque, secousses a repassé avec magnitude 1.3 rivé 5.2. Autorité canadienne a finalement approuvé permis l'acquisition machine blindée de la police nationale a été commandé une nouvelle liste qui confirme information ça. Tabay qui date matériel sera privé en Haïti. Gain office citoyen pour Nouvelle Haïti qui propose aux autorités de décréter état d'urgence sécurité sur tout territoire pour finalement résoudre le problème de sécurité à cap fini à cap haïtien. Au CNH, je crois gouvernemental de rejoindre une entente avec l'autorité américaine pour bloquer les armes qui rentrent pas bon ici à joindre un gang dans le quartier populaire. Rapidement, le gaz a persisté dans le pays depuis environ 2 mois. C'est toujours gros problème pour les citoyens jeunes qui ont ces gaz. Quelqu'un peut pas capter ces gaz. C'est toujours gros bourrara pas de galop à 20 000 gouttes dans la situation. Ça, c'est résultat de décision. L'État qui prend pour émettre un secteur privé à commerce gaz. D'après votre parole, combi syndical à la populaire Guinuma qui croit l'État veut reprendre contrôle gaz là pour empêcher peuple haïtien continuer souffrir. Organisation peuple caplité continue de dénoncer mauvaises conditions de la vie population qui passe suspendue, dégradée, insécurité, misère, chômage. Porte-parole OPL Daniel Syriac critiquer le comportement de l'épée vague pouvoir en place à l'idée qui pas fait rien pour porter réponse avec série problèmes sérieux. OPL proposer ça le relais. Une conférence politique avec divers sectes politiques pour jeune votre crise là. Vive Haïti, pas prêt au sérieux. Dernière position EEA sous crise à cabrasser le pays. Quand on a testé ça, bien Odige, quoi OEA a contribué à déstabiliser le pays d'Haïti, dans force et mettre président qui pas élu, pendant objecter sa constitutionnelle. Luis Almagro a utilisé l'organisation pour faire pression sur le Premier ministre Ariel Henry, en cause du pas jeune, même avantage d'étape sous Jovenel Moïse.
L'autre information n'a pas pour développer dans le journal. Le problème médecin résident à l'hôpital la paix sous route résout dans le directeur général MSPP Laurent Adrien qui fait connaître. Chèque a commencé à imprimer dans le ministère des Finances déjà précisé. C'est un problème administratif qui la cause situation. Ça arrive. Bien gros, des divisions là dans le système justice, dans la juridiction Saint-Marc, Baou Saint-Marc interdit. Quel que soit avocat pour ne pas rentrer dans le bureau, substitut commissaire gouvernement, M. Moïse Derizan, le présenté comme un corrompu, n'est pas avocat qui pas respecter Mézissa à recevoir une sanction. Point ça, on a trié les autres après le fait essentiel dans le cadre de la quatrième présentation journal Méga Matin pour ce maintenant. Mais dans différentes groupes, nous avons bien côté comment taper les verres avec Mme Christelette Saint-Georges qui a porté pour nous toute la dernière prévision météorologique pour matin jeudi 11 août 2022. Avec différents collaborateurs, nous avons toutes les informations sur diverses zones dans la région métropolitaine dans le cadre de week à traverser. Nous avons fait le même exercice avec différents correspondants nous dans le cadre de week Ronde Provincio. Restez là, pas demander bouton radio, après suivre le journal Méga Matin. Puisque dans le journal Méga Matin, c'est nouvelle nous bail. Nous retournons dans le texte. L'autre dossier dans le journal, là, nous avons annoncé ça. Notre site journal là, des autorités canadiennes qui finalement pouvaient permettre l'acquisition machine blindée, la police nationale a été commandée. Et c'est journal Le Nouvelliste qui confirme l'information ça. D'après le journal là, pas de date qui baille qu'il est matériel sérieux privé rentré en Haïti. Nous après appeler, annonce ça à Livini. Moi, c'est passé 24 heures depuis après CNN t'a publié reportage, ça l'y réalisé. Côté l'effet qu'on est dans reportage ça et police nationale a gagné seulement un véhicule qui est capable de mener opération efficace face à bandits armés. N'avancez avec information dans le journal Méga Matin, un rapport mété de Office Citoyen pour Nouvelle Haïti, recensé 49 personnes qui mourent en babal pour moi JAN. Au CNH a proposé aux autorités de lancer état d'urgence sécurité pour finalement résoudre le problème insécurité qui a rongé peuple haïtien chaque jour qui passait. Dans ce sens, grand député nous suivons un reportage avec un collaborateur nous, Jean-Philippe Massé. La vie ne va représenter en lien, c'est banalisation de la vie. Et chaque citoyen. Insécurité. Nous, ça a continué à occuper des bayous dans la société. Office citoyen pour une nouvelle Haïti, pas caché préoccupation face à phénomène ça qui tourne un pic en coin dans la population. Si pour moi, j'ai été recensé 57 personnes qui tombaient en babal, pour moi, j'ai été 49, sans pas même compter victimes bataille gang dans la Cité Soleil, pas dans le même mois ça. M. Camille Oxyis, c'est coordonnateur au CNH. Mais si au CNH pas esprit d'objectivité et d'impartialité, tout le monde connaît gagné et affrontement entre gang avec gang dans Cité Soleil. Donc au CNH pas de moyen pour te rentrer dans Cité Soleil pour te répertorier monde qui tombe en bas balio. Mais dans tout pays, hein, sauf Cité Soleil, nous avons gagné agent monitoring nous. Nous avons une famille et victimes, nous parlons avec eux. Donc, il y a 49 personnes qui tombent en bas de l'assassin. Parmi 49 là, il y a deux policiers et il y a un petit monde. Moi, doute la fête commencé, le rapport a déjà commencé rempli. Parmi eux, directeur général et PPLS là, Yvon Bistrette, et un Zach sans pareil. Nous commençons à travailler sur le rapport pour moi, Doua, mais c'est inacceptable lorsque vous brûlez et un ancien sénateur. Qui toujours encore, qui était une autorité parce que c'était directeur général et le PLS. Donc nous-mêmes, nous déplorons ça et nous condamnons. Dénoncer, condamner, oui, nous faisons ça chaque jour, qui n'a pas porté aucun résultat. Au CNH, mandé autorité déclarer état d'urgence sécurité pour finalement camper les actes violentieux dans le pays. J'en ai là, nous ne sommes pas capables encore. Et nous ne sommes pas capables de dénoncer. La population n'est pas capable de nos situations côté, on va accepter. Donc, il faut que la population elle-même prenne responsabilité, n'en fait pression sous l'autorité, doit assumer responsabilité parce que c'est eux-mêmes qui n'ont pas porté décision. Pendant l'autre fois qu'on a demandé aux autorités concernées, l'heure est grave. Pendant l'autre pareil, on veut faire la cognac là, au CNH, demander aux autorités, c'est déclarer état d'urgence sécuritaire pour permettre aux paysans, ils ont l'autre pouf. Et de soulagement
dans la question insécurité qui a dans le pays. Mais qui décision souhaite l'autorité ou prendre à travers l'état d'urgence ça? Et autorité concernée qui prend responsabilité essaye tout qui a de contrôle la situation, essaye même tout qui a envisagé ensemble de stratégies qui permettent d'établir le climat de paix dans le pays. Parce que je veux dire, cette question pour mon circuler n'importe le, n'importe qui j'ai avec ZAM, et puis après ça dit mon victime dans la rue, donc c'est anormal. Comme situation lui-même est aggravée, et lorsque on arrive dans une situation qui est aggravée, on est obligé de prendre des mesures exceptionnelles, des mesures spécifiques pour résoudre le problème. Souvent, la police pose problème moyen pour contrecarrer gang yo. Mais à côté problème ça, le gouvernement a dû essayer de résoudre le problème en l'état tout avant d'arriver en bas. Autorité yo doit joindre une entente avec l'autorité américaine yo pour bloquer les armes qui sautent la caillou pour atterrir dans les gangs en Haïti. Toutes armes avec munitions, la majorité dans les États-Unis sorti. Je dis à quoi les États-Unis viennent sortir comme un passeport. Donc pendant un mandat pour la douane avec la police, et en Haïti, eux-mêmes, ils prennent disposition. Donc ça, c'est pour empêcher débarquement. Mais pour empêcher embarquement, ça, c'est autorité et américaine, l'État haïtien, nous chita avec eux, un plan de coopération pour empêcher question embarquement vers destination Haïti. Justement, douaniers ont saisi un pile d'armes dans le dernier temps. Documents prouvés, toute cargaison ça a sorti dans le pays américain. Si on prend comme exemple, cargaison douane Port-au-Prince qui implique plusieurs cadres dans l'église épiscopale. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Et voilà, merci en pile avec Jean-Philippe Masséan concernant le reportage. Ça, c'est organisation et citoyen pour Nouvelle Haïti, au CNH, pour nous dire de préférence. Et au lieu de office, là, c'est organisation et organisation c'est pour Nouvelle Haïti, Maître Camille Oxius, qui est même la guerre d'une véritable bataille depuis plusieurs années là, comme défenseur des droits humains, par rapport avec la situation citoyen haïtien, et surtout qui a demandé respect dans les affaires droits et différents droits que chaque grain haïtien, yo même, yo gagne, t'as de jus en d'un pays. Mais insécurité, je dis, hein, c'est un véritable fléau qui a mangé société et personne ne peut épargner, c'est ça. Maître Camille Oxius, lui même, lui, t'as parlé dans le reportage ça, que j'ai fini ma séance sur Poté Banon. Nous t'as parlé de ça dans rubrique traversée Zaferat Magazla qui la cause en pile chauffeur transport public qui est obligé rester là caillou en pile citoyen obligé pour route là à pied. Gen collaborateur Noalix Gauthier qui réalise un reportage sur situation ça ratman gaz a persisté dans pays depuis environ 2 mois côté en bas en pile misère pour un monde joindre un petit ancien gaz pour mettre dans machine yo ou bien moto yo et citoyen exiger l'état pour prendre responsabilité dans affaire gaz là. Reportage Alex Gauthier. Là, nous avons une pompe dans Petioville qui réussit à bailler un petit gaz. Grand bouteillage à cause de blocus, machine ou motocyclette qui vient essayer d'acheter un petit goût de gaz. En bas pompe là, même moun pas qu'à passer, véhicule yon empilé, galon jaune fait quelqu'un, gros discussion dans le chauffeur. Yo. Chauffeur moto ça a expliqué sacré discussion. Hein. Plusieurs autres jeunes garçons qui chita sur motocyclette yo a plein combien de temps yo gagné à passer misère pour joindre un petit gaz. Ça gagne 2, 3 jusqu'à 7 jours. Nous avons 4 jours de monter des sondes de gaz dans le magasin. Et les motos me font pour me travailler, ils me font pour m'occuper de moi, pour m'occuper de moi. Moi, je me sens ma bout là. Je dis à 7 jours, je marche des gaz là. Je me lève 5h du matin. Dans le fait noir, je me viens là des gaz, je me bagage. Chaque jour, je me dépense et tant que père de famille. Je viens là tout seul, je passe misère, je me bagage. Et chaque jour, je me bagage, je mange la caille. Jeune gars, ça lui-même, quoi, ratement gaz là, c'est une crise programmée pour capable de monter prix à pied devant. Comme si pendant que vous voulez monter le gaz là et puis vous créez une façon, comme si vous créez une panique totale pour les gens ne pas jouer gaz, acheter gallon 250-$300 dans la rue et puis immédiatement vous montez $80 ou bien 500 gouttes, je ne sais pas combien la monter là et puis laissez-vous pas jouer facile et puis tout, pour nous pas dire, et ça n'a pas rien parce que vous même monter qu'on a une difficulté pour venir, vous venez très facile, mais c'est ça, les monter. Ratement gaz là tout, créer un autre commerce qui se vend gaz dans le gallon bois.
malaria. En bas pompe yo, c'est machin yo qui souvent joue une chance pour acheter nan couloir machin noir. Chauffeur moto sakwe, autorité yo ta doué agir contre phénomène ça. Si l'État voulait solutionner problème bon gaz à terre, solutionner dans 16 jours. Imaginez là, passez là, arrêtez 30 les gars bon gaz à, évaluer gaz yo acheter. Si gars yasse gaz à pour 10 000 gouttes ou 20 000 gouttes, c'est pour 10 fois la valeur pour eux. Si vous avez une cabine dans la cabine bonne. Problème notre résolu, de pour arrêter mon gaz à terre. Parce que imaginez, ouais, ma moto baye. Regardez là, ouais, tout le monde qui est avec ton gars là. Mais c'est ça, encourager le gouvernement pour prendre responsabilité pour résoudre le problème ça, pressé, pressé. Population qui déjà n'a grand goût, pas qu'à supporter pour longtemps, sinon, va qu'à virer. Si des Ariel a pris un bagage pour nous, pour le faire, parce que je ne veux dire que c'est lui qui est responsable. Nous ne sommes pas en souffrance, nous n'avons pas grand goût. Et puis, c'est comme ça que la dégringolée, on a toujours une sécurité. Plus, malheureusement, pas vivre parce que n'est-ce pas, ou pas qu'à venir, ni pour faire. Depuis environ 2 mois, pays a connu un ratement gaz sans pareil en bas de l'autorité qui n'a jamais fait aucune intervention pour résoudre le problème ça définitivement. Chaque jour, bon Dieu mette, citoyen yo a marché chercher gaz, te couché fou pendant un gallon à terre jusqu'à 1000 gouttes qui donc prix une, vaut prix 4 6 gallons. Plus misère pour population, si tout chauffeur taxi qui souvent loue une machine ou bien motocyclette pour payer chaque jour. Ministère commerce, comme d'habitude, te sorti une note pour rappeler interdiction pour vendre gaz dans la RIA. Au contraire, business gaz dans le galon vient augmenter après notre SILA. Alix Gauthier, Radio Méga. Merci Alex Gauthier pour reportage si la et situation ça li répété en pile ça qui kon mette gros déblosaille entre chauffeur machine publique et puis passager et un problème en pile moun gagné lorsque chauffeur public monté augmenté prix coûtio depuis gen gaz a disponible yo soit yo quitté le même prix ya ou bien retiré un adoquin ou bien deux adoquin sous li et nan kon sa ou après machine d'elle mate 15 gouttes kon ali 25 gouttes et ou appel 50 goud, les gaz à vini, yon pap kite nan prix normal li, yon toujours kite augmenté malheureusement. Autorité dans l'État pa gen un regard sous ça. Nous avons toujours été sous même dossier. Gen yon combien d'organisations politiques, syndicales, populaires qui dénoncent différents problèmes, population a fait face parmi yon insécurité.